bah, toujours sur la même map. Et pour le coup, là, je dirais plus avantage du côté de Drop. Parce qu'avec les patates qu'il va mettre, il va se dégager très vite. Bon, Val qui a quand même pas mal de défense, mais... Pour moi, ça va envoyer. Donc là, on est en Winner Final, les gars. Winner Final. Très propre. J'ai pas pu faire en speed un petit overlay, donc on va rester comme ça. Mais voilà. Là, j'ai envie de voir Ryo faire des combos aux gants. Là, je suis désolé, Drop, hein, mais moi, je veux voir des gants. Moi, je veux voir des beaux gants, là. Petits combos. Ouais. Oh, très, très bon raid de la part de Ryo. Drop qui cherche les endroits où attaquer. Des downs qui passent, des neutrals qui passent. Très propre aussi. Hein. Lui, il n'a pas besoin de mettre trop de coups les. Voilà, il n'a pas besoin de mettre trop de coups les koalas. Ça fait très mal, donc ça passe. Alors que Ryo, lui, doit plus enchaîner les petits combos, les petits trous combos à deux coups. Donc. Oh, ça aurait pu passer. Après, ça l'aurait pas tué, je pense. Signature, ouais, voilà. Même une signature, ça l'a pas tué. Non, Ryo! Oh ouais, regardez-le, il nous fait du suspense en plus. Ah, ça aurait pu tuer. Ouais, on voit que c'est un joueur agressif. Oh, le read, très propre. Vraiment, Ryo sur un seul perso, il pourrait être s'il jouait qu'un seul perso et qu'il tryharderait comme c'est mort. Je pense qu'on le verrait souvent dans les hauts du classement, il joue très bien. Bon, Drop du coup qui a puni. Mais voilà, il nous fait frissonner un peu le Ryo là. Ouais, Drop quand même, il veut pas. Moi j'adore voir des gameplays agressifs quand les gens agressent parce que moi je joue un peu de la même manière que Ryo. Donc je suis très agressif. Et après, moi je me fais souvent punir parce que j'ai pas encore son niveau de jeu. Et je me fais beaucoup punir et je suis encore des erreurs. Mais là on voit, il y a du gros niveau. Des trous combos comme ça qui passent avec le dodging de Drop et ça lui a permis de faire une signature à Ryo. Il l'avait anticipé. Même s'il aurait fait un dodge out, il aurait pas été trop puni sur cette signature, je pense. Et là, par contre, les NR, ça y va, les side air, ça y va, ça met beaucoup de dégâts de la part de Drops. Le jeté d'armes aussi qui passe, ça punit. Un petit deuxième. Ah non, deuxième recovery, ça aurait pu passer. Ça, par contre, Ryo, il punit pas mal sur les punitions de signature de Drop. C'est pas mal. À chaque fois, il les esquive et il punit derrière. Tu vois, là, il a encore puni. Est-ce qu'il prend la vie? Non, ça aurait pu prendre la vie, ça. Là, il va faire un petit. Non. Faut pas que j'essaie de read des gens à ce niveau-là, ça sert à rien. Aïe, une vie enlevée de la part de Drop. Petit avantage pour Drop, avantage des armes aussi. Là, faut juste qu'il mette des dégâts. Hein. Je pense qu'il a pris l'âge pour ça, faut qu'il mette des petits dégâts avec l'âge, des side-air, des trucs comme ça. Et pas qu'il se fasse toucher, il va garder un bon spacing. Voilà, là il a vu qu'il avait plus son dodge, donc il a essayé de follow. Mais là, il essaie de punir, hein. Il garde sa distance, tu vois, il garde bien sa distance en hein, Drop. Et il a bien raison. Jeté d'armes qui est pas passé. Là faut que le Ryo le finisse tant qu'il a pas d'armes. Là ça va faire des NR. Hein. Voilà des. Ouf. Pour moi des NR avec la lance quand t'as pas beaucoup de vie comme ça, ça te protège très bien, ça te fait un bon arc de cercle de protection. Assez pratique. Tu vois, ça, il en a fait beaucoup hein. Et il a bien raison. Et Ryo qui a réussi à le tuer. Avantage Ryo pour les armes, mais pas un peu de vie en moins. Après, on arrive quasiment dans l'orange. C'est le skin de Val, c'est un mode que j'ai fait. Oh, pff, oh non. Ah c'est bon, ça tue pas. Très propre, il a failli faire un 0 to death, hein, Ryo. Ça l'aurait mis très très bien. Du coup le skin de Val là, c'est un mode que j'avais réalisé, qui est disponible sur Game Banana. Faut avoir le skin, mais c'est sur le skin de commando Val du coup. Hop. Très beau jeté d'armes. C'est serré. Ouf, ça va peut-être tuer. À mon avis, il va refaire la même. Un petit neutral avec une recovery de la part de Drop. On va essayer de voir ça. Parce que s'il le refait, ça va le tuer. Ah, là, faut qu'il finisse. Bien joué. Ça remonte ou pas? Ça remonte. Ça remonte du côté de Drop. Heureusement qu'il a réussi à remonter. Hein, sinon, ça aurait un. Très serré. Hein. Là, on est vraiment. On voit que c'est la fin du tour. Hein. Les matchs, il y a du haut niveau. C'est serré. Très risqué, hein, Ryo. Je sais qu'il aime bien jouer agressif, mais ce genre de truc, ça passe pas souvent. Side. Bien joué le rythme du jeté d'armes. Il est passé au-dessus avant que ça lui arrive. Ça tue. Victoire de Drop, 1-0. Hop. 1-0 pour Drop, très bien joué. Il a joué la sécurité, il a attendu l'erreur de Ryo qui attaque beaucoup. Et du coup, qui s'est fait punir là-dessus. Donc très propre. En vrai, match très propre des deux côtés, très serré. Hop.
Et là, on va repasser. Bon, toujours pas, ils choisissent leur perso. Je passe pas, on vous verrez ça après. On va voir qui va jouer et puis voilà. Donc là, ça va bientôt finir. Peut-être après ce match-là, je passerai juste un petit coup de fil et après j'arriverai. J'aurais juste un petit coup de fil à passer parce que du coup j'avais dit que 19h30 je serais dispo, mais au final je vais pas l'être. Donc pour dire que ça va décaler un peu, ça devrait finir à 20h. Pour 20h, on devrait être bon en vrai. Hop, allez, c'est parti. On a Brine contre deux persos totalement différents. Brine contre Koji. C'est parti. Donc là, on va voir complètement un match autre chose. Donc voilà. Par contre, ils font chier pour les rediffusions. Du coup, je vais pas mettre leurs deux skins. Je vais en mettre qu'un. Je vais mettre le premier et puis voilà. Mais voilà, Ryu que j'ai déjà vu jouer sur Koji, qui jouait très bien son Koji aussi. Et Drop, pareil, qui joue très bien Sabrina. Hein. Lui à l'âge, on voit qu'il met des patates. Hein. Regardez-moi ça. Il aurait pu continuer presque. Mais le jeté d'armes très bien calculé. Hein. Et là, on voit niveau dégâts quand même que la hache, ça fait beaucoup plus mal que l'épée. Hein. Voilà, la première vie qui va peut-être être enlevée. Ah non, dommage. Ryo quand même qu'il essaie quand même de. Ryo il peut clutch sur des 0 to death. Clairement c'est ce qu'il peut faire. La recovery qui était peut-être un peu trop vite tentée. On va voir à l'arc qu'est-ce qu'il peut nous faire à l'arc. Ah ça tue. Première vie enlevée pour Ryo. Drop qui est toujours début orange, qui a pas perdu trop de vie. Et qui peut-être qu'il va mourir là-dessus. Oh et Ryo très propre. Non, désolé, je stream pas les deux. Après, je dois y aller. C'est vraiment, je dois y aller. Déjà, le stream n'était pas prévu. Je suis juste arrivé là. Je suis arrivé là, on m'a proposé de stream le tournoi. Enfin, en MP. Et puis moi, je me suis dit, ce serait pas mal de stream du coup. Le 1v1. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Sinon, j'aurais préparé un truc un peu plus propre avec un overlay, les noms des joueurs et tout ça. Mais ça s'est fait comme ça. Donc, on reste comme ça pour l'instant. Mais je pourrais pas. Je peux que stream ce tournoi là. Hop, là ça joue la Ryu qui joue, commence à jouer plus. Oh, très propre le neutral light hein, qui est passé. Oh, ça c'est bien joué. Comme il a vu que Drop commençait à attendre un peu les combos pour pas dodge au premier, il a fait sa signature et c'est passé. Bon petit read. Fait ou pas du tout. Il y a Drop qui va demander à Icorpio s'il veut stream le tournoi. Je sais pas s'il sera disponible, Icorpio, du coup, youtubeur assez un peu connu quand même, assez connu dans la communauté, bon voilà, un peu comme Nicolas Aida, hein. Mais voilà. Et du coup, qui s'intéresse un peu aux commentaires de matchs et de tournois Icorpio. Donc pourquoi pas. Mais moi, je pourrais pas. Ça se cherche, hein. La Ryo, il joue un peu plus calme. Il a vu qu'il se faisait beaucoup punir sur ses agressions, et que Drop, tu vois, là tu vois, pareil, punition de Drop. Au niveau du neutral avec la lance. Et Ryo qui commence à un peu à moins attaquer. Et voilà, là ça punit sur les signatures hein, pour l'instant. La plupart des coups c'est sur les signatures. Là on a une. Là ça va essayer de finir. Hein. Ça va essayer de finir des deux côtés. Une petite deuxième recovery, ça passe. Hein. Ouh, ça tue. Ouais, ça tue. Là c'est 0 tout death ou rien. On va voir comment ça va se passer. Après on a la loser final. Donc quoi qu'il arrive, le perdant rejouera. Mafia combo, ouais, désolé, je ne pourrais pas voir ça. Bah, si quelqu'un le stream, je pourrais peut-être le regarder, mais je pourrais pas le stream. Et victoire de Drop là-dessus. Hop, victoire de Drop. Donc là, on va attaquer directement sur les losers. Loser final, on va voir Ryo contre Spectre. Et là, pour le coup, ça va vraiment être serré, je pense. Je sais pas qui va gagner. Ryo, je sais qu'il est bon, et Spectre aussi. Et je vais voir comment c'est. Donc, Drop, quoi qu'il arrive, il sera soit premier, soit deuxième. Donc là, lui, il est paré pour la grande finale. Donc bon, on est bon. On va passer sur l'écran d'attente.